Hubert, Monsieur Joël Giuliani, Madame Myriam Pouillaud, Monsieur Manuel Gomez, Madame Nathalie Burin, excusez qui a donné procuration à Madame Nathalie Denis. Madame Nathalie Denis, Madame Angélique Sorli, excusez qui a donné procuration à Madame Fabienne Linossier. Monsieur Alain Quinto, Madame Marilyn Giraud, Monsieur Barbé Michel, Madame Fabienne Linossier, Monsieur Jean-Marie Noguet et Monsieur Stéphane Bagnols, excusez qui a donné procuration à Madame Estella Métois. Voilà, je vais laisser, donc, avant de débuter cette séance, la parole à notre éditorialiste, Monsieur Guy Valzac. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, ce ne sont pas des circonstances faciles parce qu'il me déplaît, en fait, d'intervenir dans un échange tel qu'on le voit ou auquel on assiste en ce moment. Un échange que je qualifie de malsain, me refusant d'entrer, en fait, dans un pugilat. Cependant, je me dois de rectifier certains dires, certains écrits que je qualifie de nauséabonds, dont je pense que les Claireanninques eux-mêmes sont malheureusement victimes. Victimes parce que conduits en erreur. Aussi, même si quelques fautes d'orthographe apparaissent dans les PV, des délibérés, elles n'enlèvent en rien à la sincérité, à la compréhension de la rédaction faite d'un compte-rendu de séance ou de délibération. Alors que des publications diffusées sur Facebook, truffées d'erreurs, de mensonges, d'affirmations sans source, non étayées, dans le but volontaire d'égarer le lecteur et de lui faire croire que c'est le foutoir, sont certainement plus préjudiciables. Pour ne prendre que quelques points, ces personnes prétendent que toutes les délibérations doivent être signées par l'ensemble des conseillers. Sur quoi s'appuient-elles pour écrire cette absurdité au Claireanninque, faisant sous-entendre que la municipalité ne respectait pas la loi? Que dit la loi? D'une part, la jurisprudence 23.042 du 16 avril 1990 stipule que l'absence de signature des conseillers municipaux présents à la séance sans qu'il soit fait mention de la cause qui a empêché certains d'entre eux de signer n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération. En clair, c'est tout à fait l'inverse de ce qui est écrit. D'autre part, un autre article, 21-21-9, sur le même sujet, confirme et stipule que c'est le feuillet de clôture que les élus doivent signer. C'est cette seule signature qui vaut pour toutes les délibérations. C'est ce qui a toujours été fait. Je sais que les textes de loi ne sont pas toujours faciles à comprendre. Aussi, pour être plus clair avec ceux qui interprètent les textes à leur manière, le ministère concerné a rendu une nouvelle ordonnance dont j'invite ces personnes à prendre connaissance. Elle ne fera qu'enrichir leur savoir. L'ordonnance du 7 octobre 2021 prévoit en effet, entre autres, qu'à dater du 1er juillet 2022, que les délibérations n'auront plus à être signées par tous les membres présents en séance, mais uniquement par le maire et le secrétaire de séance. Que le compte-rendu des séances du conseil municipal est supprimé. Qu'un affichage à la mairie d'une liste des délibérations examinées en séance suffira à garantir aux citoyens l'information sur les décisions prises lors des assemblées. J'en profite pour vous informer, sans quoi elles auraient à nouveau alarmé les Claireanninques en écrivant que le maire les soustrayait de leurs droits et de leur contrôle. D'ailleurs, Madame Estella Métois, qui siège également à la communauté de communes, sait bien qu'aucune signature est demandée. Elle ne l'aurait pas remarqué. Je ne l'ai jamais entendu protester à ces séances. Et dans la quasi-totalité des délibérations des communes, du département et autres, cette demande de signature n'est jamais appliquée. Non, cher Claireanninque, vous le savez maintenant. Le maire ne s'est approprié de rien, c'est le ministre qui a décidé. Il est reproché au maire de ne pas faire approuver les PV de délibération dans les temps. Il devrait, à l'ouverture d'un conseil, faire approuver le PV du conseil précédent. C'est ce qui est demandé à chaque fois. De la même façon,
La lecture et le vote organisés dans la pratique sur l'adoption du PV lors de la séance suivante ne sont en aucune façon exigés par la réglementation. Cette adoption postérieure n'est pas obligatoire et ne renforce pas la portée du PV non plus. Elle est juridiquement sans intérêt. Le ministre de l'Intérieur précise par publication dans le journal officiel du 21 juin 2018 qu'aucune disposition du Code général des collectivités territoriales ne fixe de modalités de présentation des procès-verbaux aux séances des conseils municipaux. De ce fait, il précise qu'il revient au règlement intérieur du conseil municipal éventuellement de fixer ou non les modalités d'approbation du procès-verbal. En fait, c'est par excès de transparence que nous sommes pris à défaut aujourd'hui sur ce point. Pourquoi ? Eh bien, parce que aucune loi impose au maire de faire approuver ses PV en conseil, mais le maire de Clairat, dans un souci de bonne information de chacun, a inclus dans notre règlement intérieur qu'à l'ouverture des conseils, les délibérations du conseil précédent seront soumises à l'approbation. Il sait, comme on dit, tirer une balle dans le pied. Alors que s'il s'était contenté de la loi, il n'y aurait aucune approbation à faire. Il a voulu trop bien faire. Donc aujourd'hui, cette disposition est inscrite dans le règlement intérieur et nous devons nous y conformer. Du retard a été pris par suite de surcharge de travail et en raison surtout d'absence de l'un ou de l'autre dans ce contexte sanitaire. Rien qu'aujourd'hui, nous avons été informés de 2 prolongations d'arrêt de travail et 4 nouveaux arrêts de maladie. La municipalité va donc œuvrer au mieux pour se mettre à jour. Je rappelle qu'à partir de juillet, tout ça de toute façon n'existera plus. Je précise fortement que ceci ne rend pas illégal les PV des délibérations et ne les entache pas d'irrégularité. Il ne s'agit que de la non-application d'un article de notre règlement intérieur. Contrairement également à ce qui a été allégué, les PV de délibération ne doivent pas retranscrire les débats, les échanges. Il doit en faire un condensé, une synthèse, un résumé. Il reprend l'essentiel des débats qui ont eu lieu au Conseil. Succinctement, les propositions qui ont été faites, les questions posées, adoption ou pas de la proposition, éventuellement spécifier en bref la raison du vote contre, raison financière, il suffit de marquer ça, raison de sécurité, raison de priorité, etc. Puis, dans les 8 jours après, le Conseil 8 jours après le conseil, le PV doit être affiché en mairie pour consultation par toute la population. En fait, il ne se passe pas un jour où il n'est pas reproché quelque chose à la municipalité. Elle crée un parking, elle n'en a pas besoin. Elle vend des immeubles, ils ne sont pas vendus assez chers. Elle achète des immeubles, ils sont achetés trop chers. Elle ne respecte pas les règles, elle n'est pas démocratique. Rien de ce qui se réalise, la municipalité est bien appropriée. Mais ces personnes ne font aucune proposition. On ne se mouille pas. Où est leur intérêt et le travail pour les Clairanninques ? Alors que le maire a ouvert l'ensemble des commissions aux élus de l'opposition, chose qui n'avait jamais été faite à Clairat, a eu en retour une bonne implication constructive des élus de l'opposition. De même qu'à plusieurs reprises, cette réflexion que nous avons entendue dans la rue avec tout ce qui se passe, ces personnes n'ont pourtant pas démissionné, ce qui aurait pu être compris puisqu'elles étaient en désaccord avec les pratiques de la municipalité. Non, non seulement elles n'ont pas démissionné, mais bien au contraire, rappelez-vous, elles se sont accrochées, agrippées, et battus pour conserver leur attribution, donc pour rester complices et cautionner ce qu'elles dénoncent aujourd'hui. C'est donc que tout allait bien avant que ne leur soit retirée leur attribution. Depuis, la municipalité
est extrêmement mauvaise. Aussi, nous ne répondrons plus à ces discours vomissants sans intérêt pour le village et ses habitants. Les Claireanninques attendent tout à fait autre chose. Ceci m'amène en un premier temps, pour mettre fin à toutes ces polémiques, toutes ces suspicions, à vous proposer, monsieur le maire, ainsi qu'au conseil, de nommer comme secrétaire de séance madame Estella Mettoy. De ce fait, elle qui connaît si bien le rôle du secrétaire de séance, cela lui donnera un regard sur toute la procédure et par là même, cela rassurera et garantira aux Claireanninques de la conformité des pratiques de la municipalité. Et nous n'aurons plus à y revenir. Le dernier point, alors que nous sommes épiés, surveillés, contrôlés, si les règles, les droits sont respectés, si tout est légal. Pour ce faire, il faut avant tout que les donneurs de leçons soient irréprochables et s'auto-appliquent ce qu'ils exigent des autres. Dans ce sens, il me paraît illégal et interdit d'utiliser des armoiries ou un logo d'une commune dans le cadre d'une diffusion sur les réseaux sociaux ou toute autre communication. C'est la commune ou celui qui la représente qui, lorsqu'il parle, engage la municipalité et donc qui appose son logo. En fait, c'est la commune qui s'exprime sur les réseaux, les médias et partout ailleurs. Mais certainement pas un particulier dans ses parutions ou communications. C'est un peu comme si on travaillait aux impôts et qu'on utilise l'entête du fisc pour écrire sur les réseaux. C'est à la limite de la tromperie et de l'usurpation de qualité. Il conviendrait donc rapidement de remédier à la situation avant que la mairie ne se plaigne de ce constat. Aussi, par souci d'équité, puisque toutes ces questions sont diffusées sur les réseaux, je souhaiterais qu'il en soit de même pour les réponses, ainsi que du compte-rendu de la séance de ce soir. J'ai dit, monsieur le maire. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur Balzac. Je crois qu'on avait besoin ce soir de refaire un point clair sur cette situation. Effectivement, je reprends vos termes, nauséabond, pour ne pas dire un autre terme. Voilà. Écoutez, donc je vais vous proposer, donc à la place de madame Marjorie Gonzalez, qui est notre plus jeune conseillère municipale, le poste de secrétaire donc à madame, si elle le souhaite, bien sûr, mais je crois que ça serait une bonne chose. Juste aussi pour rappeler madame Estella Mettoy, parce que c'est vrai que quand vous faites des remarques comme ça sur effectivement des fautes, déjà vous, quand vous envoyez un mail, vous envoyez déjà des fautes, et elles sont aussi sur les réseaux sociaux. Quand vous corrigez des fautes, vous remettez encore des fautes. Au besoin, je vous demanderai peut-être de vous rapprocher de madame Lemouet, qui est professeure de français. Donc, avant de faire des remarques, s'il vous plaît, regardez aussi bien vos écrits. Voilà, donc je vais proposer ce soir en poste de secrétaire madame Joëlle Estella Mettoy. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ben écoutez, je vous remercie à l'unanimité. Donc, pour rappel, vous avez reçu les décisions du maire et les DIA. Nous n'avons pas reçu de questions et je vous demande donc d'en prendre note. Vous avez été destinataire des procès-verbaux des conseils municipaux du 15 avril, 27 mai, 15 juin et 9 décembre 2021. Il nous faut maintenant les adopter. Qui est contre ? Madame Joëlle Estella Mettoy. Madame Nathalie Denis. Ils ont des procurations, tout à fait. Oui, pour vos procurations, ils votent comme vous. Donc, monsieur Stéphane Bagnouls et madame Nathalie Burin. D'accord, je vous remercie. Donc, qui s'abstient ? Bah, écoutez, je vous remercie. Adopté. Le point numéro 1, modification des tableaux des effectifs. Donc, nous avons reçu une question de madame Joëlle Estella Mettoy. Je vais vous permettre de lire ces questions. Une précédente modification a été soumise au vote du précédent conseil du 9 décembre 2021. Nous constatons une variation positive du poste d'agent technique territorial qui passe de 5 à 8 en poste ouvert et de 5 à 6
en poste pourvu entre les deux conseils. Nous ne comprenons pas cette différence entre les deux conseils. Les nouveaux postes, si c'est ainsi qu'il faut l'interpréter, sont-ils budgétisés sur 2021-2022? Dans quels services sont-ils prévus? Vous voyez, bon, je vais répondre à vos questions, mais ça aurait été, enfin, c'est dommage que vous n'ayez pas assisté aux anciens conseils municipaux de Cléra. Vous auriez vu que sur cette liste qui était proposée avant, c'était une liste qui était faite quasiment presque pour une ville de 20 000 habitants. J'avais rappelé, mais ça vous étiez là par contre, maintenant au conseil, ici, depuis que vous êtes élu, qu'à chaque fois nous allions modifier le tableau des effectifs au jour le jour. Dès qu'il y a une modification, c'est fait. Et je vous rappelle que c'est la loi. C'était avant où c'était illégal. Donc je vais vous répondre. Concernant les postes d'agents techniques territoriaux, nous avons ouvert un poste en décembre 2021. Car nous avions un agent contractuel qui allait bénéficier d'un CDI au 1er janvier 2022. Pôle entretien, restauration. Il en est de même, ce conseil. Nous avons deux agents contractuels qui vont passer au 1er mars 2022, stagiaires, titulaires, et afin de pouvoir lancer la procédure, les postes doivent être ouverts en amont. Pôle entretien, restauration. Je vous rappelle que, aussi, avant, on avait des personnes avec qui on reconduisait les contrats, et je rappelle aussi que c'est illégal. Hein, il y a une certaine date butoir. Voilà. Donc, vous avez tous reçu des modifications concernant le tableau des effectifs, et nous allons passer maintenant au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Nous allons passer maintenant au point numéro 2, convention de mise à disposition de la salle polyvalente entre la C3SM et la commune de Cléra. Et je vais laisser la parole à M. Puginier. Merci, M. le maire. Vous avez tous été destinataires du projet de convention avec la communauté de communes Corbière-Salanque-Méditerranée, C3SM, concernant la mise à disposition de la salle polyvalente. En effet, suite aux travaux effectués par cette dernière, la salle polyvalente de Cléra, une convention de mise à disposition doit être refaite en intégrant les nouvelles salles. Donc, comme nous n'avons pas reçu de questions, je redonne la parole à M. le maire pour le vote. Merci. Merci beaucoup, M. Puginier. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Pour le point numéro 3, renouvellement de la convention entre le département et la commune pour la mise à disposition gratuite d'un défibrillateur externe semi-automatique, d'un coffret de protection et d'un contrôle opérationnel du défibrillateur. Je vais laisser la parole à M. Buffet. Micro. Monsieur le maire. Voilà, donc en 2007... La jeunesse, elle est par de 2007, l'Assemblée départementale avait décidé de fournir des défibrillateurs aux communes. Donc, dans ce cadre, notre convention a été renouvelée donc à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, je vous laisse pour le vote, monsieur le maire. Écoutez, je vous remercie beaucoup, M. Buffet. Et je tiens aussi à saluer donc, le conseil départemental. Cet après-midi, nous avions donc un conseil départemental et a été voté cet après-midi donc, une subvention pour la ville de Cléra, donc pour la potence agricole. Et nous avons réussi à avoir 50% de subvention. Un détail, mais quand même, je tiens à le souligner. Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Votez à l'unanimité. Le point numéro 4. Vente de la parcelle cadastrée section AO numéro 0645. 6 impasse de la coopérative. La commune est propriétaire du bien suivant. Parcelle cadastrée section AO numéro 0645. 6 impasse de la coopérative pour une superficie totale de 103 mètres carrés. Madame Catherine Hamelin
a proposé à la commune de faire l'acquisition de ce bien. La commune, comptant plus de 2000 habitants, a consulté France Domaine, qui a émis un avis le 18 janvier 2022 sur le prix de cession estimé à 20 000 euros. La cession est proposée donc pour un prix de 20 000 euros, toutes taxes comprises, conforme à l'avis émis. Nous n'avons reçu aucune question. Je ne vais pas poser la question si c'est trop cher, pas assez cher, mais en tout cas, c'est bien vendu puisque nous vendons à près de 200 euros le mètre carré. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ben écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Le point numéro 5, adhésion de la commune à l'Agence d'urbanisme catalane, ORCA. Vous avez tous été destinataires des statuts de l'Agence d'urbanisme catalane. Association, loi 1901, dispose de statuts composés de techniciens experts dans le domaine de l'urbanisme et dont le fonctionnement est encadré par le Code de l'urbanisme et des circulaires ministérielles. L'objet de l'association est de suivre les évolutions urbaines et de développer l'observation territoriale, de participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement et à l'élaboration des documents d'urbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment des schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, de préparer les projets d'agglomération métropolitain et territoriaux dans un souci d'approche intégrée et d'harmonisation des politiques publiques, de contribuer à diffuser l'innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable et la qualité paysagère et urbaine, d'accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées liées aux stratégies urbaines. L'Agence d'urbanisme est agréée par l'État et a été créée dans un souci d'harmonisation des politiques urbaines et de cohérence des projets de ses membres. La structure accompagne les différentes collectivités membres et effectue l'observation de leur territoire ainsi que l'élaboration, le suivi et la mise en œuvre dans un cadre partenarial des programmes d'études permettant la définition, la coordination, la faisabilité, l'accompagnement et l'évaluation des projets de développement de ses membres dans les domaines suivants. Urbanisme et planification, habitat et logement, développement économique et social, génie urbain et transport, paysage, environnement, loisirs et tourisme, formation, culture et communication, sanitaire et social. La cotisation de l'association loi 1901 ORCA est de 1 euro par habitant pour les communes et EPCI. Ce montant est basé sur la population totale INSEE au 1er janvier 2022, soit de 4 524 euros. Je vous propose que la commune adhère à cette association pour un montant de 4 524 euros. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ben écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Nous arrivons maintenant au point 6, où, comme tout le monde s'attendait, il y a forcément des questions. Déport au titre de l'article L 422-7 du Code de l'urbanisme. Je vous lis la question. Donc de Madame Joël-Estelle Amétois et de Madame Nathalie Denis. Dans le souci de transparence que vous avez toujours revendiqué, nous souhaitons qu'à l'occasion de ce conseil, là aussi il y a une faute, excusez-moi, donc si je lis, bon, je vais quand même lire ce qui est marqué, nous indiquer aux élus et aux Claranac. Les terrains visés par cette autorisation d'urbanisme, référence cadastrale et adresse. S'il s'agit de terrains privés, communaux, le nom des vendeurs, le projet visé, habitation ou local professionnel. Je vous remercie vraiment d'avoir posé cette question comme je l'attendais. Alors, sachez qu'hier soir, nous avons eu un entretien avec l'avocat, alors avec bien sûr la totalité des élus de la majorité, afin de nous éclairer sur beaucoup de points. Un, le premier point, j'ai aucune obligation de faire ça. Aucune. Lorsqu'on achète des terrains, j'ai aucune obligation. Mais j'ai voulu le faire, et effectivement,
pour une grande transparence. Voilà. Effectivement, j'achète un terrain qui sera divisé en deux parcelles pour mes enfants. Sur un terrain qui est déjà ouvert à l'urbanisation. Donc j'achète ça à un particulier. Et non, Madame Stella Métois, si c'était ça que vous pensiez, ce ne sont pas des terrains communaux. Donc je ne sais pas pourquoi vous avez posé ces questions-là. Par contre, moi, je vais vous répondre. Donc je vous souhaite de commander un état hypothécaire. Je suppose que vous savez ce que c'est. Voilà. Donc l'enregistrement à la conservation des hypothèques, document consultable contre paiement des droits de l'administration fiscale. Et je vous rappelle que le statut de conseiller municipal n'est pas une carte de crédit vous permettant d'outrepasser ce que vous devez à l'État, comme tout à chacun. Donc je vous conseille d'aller sur ce point, en tout cas d'aller sur ce site et de prendre vos renseignements. D'accord ? Vous aurez la parcelle, la superficie, le prix à laquelle j'achète et autres. Voilà. Donc après, on a tout à loisir de faire ce qu'on le souhaite avec son argent. Il y en a qui font des collections de sacs Vuitton. Ben moi, j'achète effectivement du terrain pour mes enfants. À bon entendeur, je vous remercie. Je ne peux pas déplacer, mais voilà, je crois que vous outrepassez en fait vos fonctions et je trouve ça particulièrement désagréable. Surtout, Madame Joëlle Estelle Amétois, venant de personnes qui ont soutenu, qui ont accompagné devant la campagne départementale et qui ont été sur la liste et qui ont tracté pour un élu qui, aujourd'hui, quand même, a, lui, par contre, des références plus que douteuses. Vous devriez peut-être vous renseigner comment ça se passe au niveau de son propre conseil municipal. Vous seriez bien surprise. Et je ne pense pas que cette personne, que cet élu, soit aussi transparent que je le suis. Voilà. Voilà, comme ça vous avez mes réponses. Nous allons donc passer. Oui, pardon, excusez-moi. Donc je vais proposer, je vais quand même vous lire. Donc au terme de l'article L422-7 du Code de l'urbanisme, si le maire est intéressé à un projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. Des demandes d'autorisation d'urbanisme vont être déposées prochainement en son nom. Déclaration préalable, certificat d'urbanisme et permis de construire. Il est donc nécessaire de désigner un membre de l'Assemblée pour statuer sur toutes les demandes qui pourront être déposées par le maire à compter de ce jour. Et ce, pour toute la durée du mandat. Et je vous propose donc de désigner M. Joël Giuliani. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Bah écoutez, je vous remercie. Oh pardon, j'ai été trop vite. Donc, abstention, Madame Joëlle Estelle Amétois avec pouvoir pour Monsieur Stéphane Bagnouls. Madame Nathalie Denis, donc pouvoir pour Madame Nathalie Burin. Le point 7, dénomination du parking rue Salvatore Dali. Je vais donc laisser la parole à Monsieur Bensigara. Merci, Monsieur le maire. Il appartient au conseil municipal de choisir le nom à donner aux rues, voies et places de la commune. La dénomination des voies communales est laissée au libre choix du conseil municipal. Il vous est donc proposé de dénommer le parking situé rue Salvatore Dali en parking Salvatore Dali. Bah écoutez, je remercie beaucoup, monsieur Bensigara. Nous allons nous passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Bah écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Le point numéro 8, Spank 66, modification des statuts, et je repasse la parole à M. Bensigara. Merci, M. le maire. Donc, modification des statuts. Le conseil syndical du Spank a approuvé en date du 2 décembre 2021 la modification des statuts du Spank 66. En effet, le président du Spank 66 a expliqué que la communauté de communes Agly-Fenouillède a sollicité l'extension périmétrale de son adhésion au SPANC 66 avec les communes de Sournia et de Saint-Paul-de-Fenouillet. En conséquence, la totalité du périmètre de la communauté de communes sera comprise dans celui du SPANC 66, ce qui implique une modification statutaire du syndicat
pour étendre son périmètre au territoire des deux nouvelles communes. Les statuts ont été également modifiés sur les points suivants. Rationalisation du nombre de délégués par membre adhérent en ce qui concerne les groupements de communes. À ce titre, il est proposé pour limiter le nombre de représentants des membres au sein du comité que les EPCI à fiscalité propre en représentation substitution, que l'EPCI dispose sur décision du conseil syndical du même nombre de sièges qu'un EPCI à fiscalité propre adhérent directement plutôt qu'un délégué par commune substituée. Mise en conformité les règles de fonctionnement général du syndicat avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales. Chaque commune ou groupement, adhérent au SPANC 66 doit se prononcer dans un délai de 3 mois sur ses modifications statutaires. L'absence de réponse dans le délai imparti étant considérée comme avis favorable. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Vensigara. Et donc, nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Nous avons reçu des questions diverses. Donc, je vous rappelle que logiquement, pour poser des questions diverses, il faudrait que ça soit inscrit au conseil municipal. Mais ceci dit, je vais quand même y répondre. Toujours pareil, Madame Joël-Estelle Amétoy, pour une grande transparence. Alors, les questions diverses. Donc voici les questions. Nous souhaitons qu'à l'occasion de ce conseil, vous nous présentez un point sur les ventes en cours ayant fait l'objet des délibérations lors des précédents conseils. Vente des parcelles AP432-433, ancien chemin de Saint-Laurent. Donc les ventes des parcelles AP432-433, ancien chemin de Saint-Laurent, désistement de l'acquéreur, Mademoiselle Lagarde, pour non-obtention de prêt. Les terrains sont donc de nouveau à la vente. L'autre question. Vente de la parcelle AB281, lotissement artisanal. Vente de la parcelle AB281, lotissement artisanal, avant tout acte, attente bornage du géomètre, Monsieur Coste-Florence, pour signature compromis de vente. Et c'est, je crois, Monsieur Vensigara qui suit le dossier, non ? Avec Valérie. L'acquéreur, c'est, comme on l'avait déjà précisé la dernière fois, c'est la SCI Fallu Frères. Pour la vente du ruisseau, nous attendons que M. Steven Gonzalez ait l'obtention de ses prêts. Pour la vente des rues des Blanqueras, compromis de vente signé le 29 octobre 2021, prolongé au 24 janvier 2022, sur la base d'un accord de principe de l'établissement de crédit de l'acquéreur en date du 22 janvier 2022. Acte authentique courant mars, acquéreur, M. Stéphane Pintos. Pour la vente de la place de l'huile, le compromis de vente pour le 2 février 2022, acte authentique non connu, mais courant avril-mai, si tout se passe bien. Acquéreur, Madame Sarah Hébert. Pour la rue de l'Union, compromis de vente pour le 2 février 2022, date acte authentique non connu, mais courant avril-mai. Si tout se passe bien, l'acquéreur, c'est Madame Alina Sinosek. Ça n'a pas changé, hein, c'est toujours pareil. Voilà. Écoutez, il est 19h06 et je vais donc lever la séance. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci.